Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'écho sur France 24. Jean Pisani-Ferry, commissaire général de France Stratégie, mon invité. France Stratégie, c'est un organisme de réflexion qui dépend du Premier ministre. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez été à l'origine du rapport Quelle France dans 10 ans, qui est paru euh, il y a deux ans déjà, où vous faisiez un constat assez noir hein, de la France, en tout cas sur la perte de confiance euh, en France, dans son avenir. Et puis, plus récemment, vous avez sorti un bilan du CICE, le crédit d'impôt compétitivité euh, emploi, toujours contesté par une partie de la gauche. Hein, dans dans le pays, ces aides aux entreprises, ce fameux crédit. Aux entreprises. Alors peut-on déjà en faire une évaluation, Jean Pisani-Ferry, sur les 22 milliards d'euros prévus Combien ont été effectivement mobilisés auprès des entreprises oh ben, On peut, ça, sur ce plan-là, on peut dire que les entreprises utilisent le CICE. il n'y a aucun Parce doute. Au départ, elles étaient un peu réticentes. Au départ, on a dit qu'elles seraient réticentes. Là, on a fait le point très, très précisément. Il euh, n'y a pas de, y a aucun doute. Les entreprises qui ont droit au CICE utilisent le CICE. Alors, quel impact ça a sur leur marge Alors, ensuite, euh, bah, ça a un impact sur leur marge qui a un impact mécanique. Hein. Ça, ça a aidé un certain nombre d'entreprises, euh, particulièrement celles qui étaient en, en situation de trésorerie difficile. Hein. Y a, par exemple, la, la, la BPI, la Banque la publique d'investissement, a, a beaucoup aidé euh, en préfinançant le, le CICE, puisque c'est une créance que les entreprises vont toucher plus tard. En préfinançant le CICE, elle a permis à des entreprises qui étaient en situation de trésorerie difficile d'avoir un ballon d'oxygène. Donc, ça, on le sait. Donc, Ce qu'on ne des... sait pas. Oui. C'est euh, à quoi elles ont utilisé le CICE Est-ce que c'est pour embaucher Est-ce que c'est pour investir Est-ce que c'est pour euh, augmenter leur, leur, leur marge Est-ce que c'est pour baisser leur prix et exporter plus Avez-vous quelques réponses parce que Oui, j'ai quelques réponses. L'investissement euh, ne reprend pas, par exemple. J'ai hein. quelques réponses sur ce que les entreprises ont l'intention de faire, ce qu'elles disent euh, faire. Qu'elles n'ont pas encore. Et dans l'industrie, euh, enfin, ce qu'elles disent faire. Dans l'industrie, elles disent à peu près à part égale qu'elles vont l'utiliser ou qu'elles l'utilisent pour euh, l'investissement, pour l'emploi, pour baisser les prix. Donc euh, ça, c'est quel horizon, à votre avis 2016 parce Non, que non, mais ça, c'est ce en, en ce moment, le, le CICE est euh, en opération, partiellement en 2013, complètement en 2014. En 2013, il y a eu à l'évidence un apprentissage. En 2014, certainement en 2015, les entreprises euh, savent s'en servir. Et donc, euh, la question, c'est effectivement, en quoi est-ce que ça a modifié leur comportement Mais pour répondre à cette question-là de manière précise, il faut observer le comportement du million d'entreprises concernées. Et ça, euh, malheureusement, on n'a pas encore les données. C'est pour ça qu'on n'a pas pu répondre sur cette question. On répondra à l'automne 2016 pour le prochain rapport qu'il faut remettre au Parlement. Vous êtes d'accord Pour l'instant, l'investissement ne reprend pas en France. C'est tout de même un problème. L'investissement euh, est insatisfaisant. Euh, bon, il y a... Beaucoup d'investissement des ménages qui, ne, qui va mal, l'investissement logement. L'investissement des entreprises, ça va un petit peu mieux, mais ce n'est pas encore ça. Les ménages, c'est plus compréhensible. Mmh. Il y a eu des impôts importants sur les ménages en Oui, gauche, et puis les il y a la situation respirent. du secteur du, du logement. Les entreprises respirent les entreprises, les entreprises ont, ont des, des anticipations on voit dans les enquêtes que leur, leur, leur optimisme augmente. Donc, normalement, ça devrait se traduire en investissement. Bon, maintenant, le CICE, c'est additionnel par rapport à une situation qui est ce qu'elle est à un moment donné. Conjoncture favorable le... aujourd'hui. Ben, baisse du prix du oui. pétrole, baisse de l'euro. Jean Pisani, elle devrait embaucher, investir. Oui, elle devrait embaucher, investir. Alors pourquoi ne le font-elles pas euh, on, on, on va... La situation, c'est quand même... Euh, si, vous voulez, si vous mettez là où on était il y a un an, on était à euh, une croissance à peu près zéro. Là, on est en rythme trimestriel. Ce dernier chiffre connu, on est à plus de 1. Et ça devrait continuer à, à, à s'améliorer. Donc, on a, on a un redressement. Même si 1% de croissance, ça reste insatisfaisant. Alors, sur le chômage, justement, les chiffres, les tout mmh. derniers chiffres étaient plus positifs qu'habituellement, puisque le nombre de chômeurs, des jeunes, hein, le nombre de jeunes chômeurs a, a diminué. 23 800 au mois de septembre. Ah non, les je, le alors, 23 de, 800, c'est de voilà des chômeurs. Mmh. Et 14 000 demandeurs d'emploi jeunes, en moins, alors est-ce l'effet du CICE plutôt non Est-ce l'effet des emplois aidés plutôt oui On ne sait pas très bien de quoi c'est l'effet. C'est l'effet aussi de la situation qui s'améliore. On est à peu près à un rythme de stabilisation de croissance qui conduit à la stabilisation du chômage. Si la croissance accélère, si les prochains trimestres sont meilleurs, on, on sera sur un rythme qui correspond à une baisse plus structurelle du, du, du chômage. Donc. Euh, euh, il faut espérer que ça va continuer. Alors, comment justement mieux accompagner ce mouvement, parce que vous parlez de la croissance finalement qui est liée à des facteurs externes à la politique euh, du gouvernement. Elle est liée à la, des facteurs externes, certainement. Elle est liée euh, à la conjoncture internationale. Euh, elle est liée aussi euh, au rythme de l'ajustement budgétaire. Aujourd'hui, on a un ajustement budgétaire euh, qui a fortement ralenti. On continue à en faire puisqu'il le faut, euh, mais euh, c'est plus du tout l'ajustement très fort qu'on avait eu. Euh, entre 2010 et 2013, on a eu une période dans laquelle très forte hausse des impôts, très forte hausse, très forte hausse des impôts. Là, on a eu quelque chose qui a pesé réellement sur la croissance. Et dans le reste de Emmanuel Valls, donc vous êtes d'accord avec lui là-dessus Oui, bien sûr. Ça a met à coup pas presque hein, en disant qu'il n'a bah, pas choix. dû augmenter les impôts. Il y avait deux questions. Il y avait une question de savoir le rythme, et puis est-ce que ça passait par les impôts ou est-ce que ça passait par la dépense. Le choix qui avait été fait sur le rythme, c'est de, de dire, on s'inscrit dans la logique européenne qui a été à ce moment-là euh, excessive par rapport à l'état de l'économie. Et puis euh, le choix en matière de, de modalité, ça a été de dire on va faire par les impôts parce que au fond les impôts euh, ça pèse sur le revenu alors que la dépense ça pèse directement sur la demande. Donc les impôts ça va faire en sorte que l'impact immédiat sera moindre. En fait ce n'était pas un très bon calcul parce que l'impact immédiat est peut-être moindre mais l'impact est plus durable. Euh, du fait qu'il euh, y a eu un effet d'augmentation des impôts et de perception que les impôts sont là pour toujours augmenter. Il y a un impact psychologique un en impact plus psychologique, de l'impact sur le pouvoir oui, d'achat euh, voilà. réel plus important. Donc Michel Sapin, lui, en revanche, dit qu'on ne pouvait pas faire autrement. Parce qu'il fallait justement respecter cette trajectoire de Bruxelles. Donc il fallait augmenter non, mais si encore une fois, je distingue les deux. Il y a la, la question du, du rythme. Et ça, je pense qu'il y a une erreur collective européenne qui a été de trop croire que la, la croissance était là en 2011 et qu'on pouvait passer à une phase d'ajustement budgétaire, c'était trop tôt, l'économie était encore trop fragile, surtout avec la Donc, crise de l'euro. Donc trop d'austérité, trop vite, peut-être L'austérité, la à, la à un moment, il fallait rétablir, euh, il faut rétablir les, les équipes budgétaires. Donc il ne s'agit pas de dire qu'on peut s'en passer. C'est du dosage. Hein. Il y a eu une erreur de croire qu'on pouvait faire ça avant d'avoir réparé l'économie privée. L'économie privée n'était pas encore réparée. Alors nous sommes à quelques semaines de la COP21. Alors on regarde l'avenir maintenant avec vous, Jean Pisani-Ferry. Alors vous dites que la finance pourrait sauver la planète. Euh, Est-ce une tendance aujourd'hui, si je comprends bien, à vous lire Les investisseurs commenceraient à investir, enfin disons à vendre les actions des gros groupes pétroliers, donc les groupes pollueurs. Mmh pour acheter des actions finalement d'entreprises plus impliquées dans le développement durable. Et il y aurait eu une sorte d'encouragement de la part du gouverneur de la Banque d'Angleterre, McCarney, qui a même dit que les actifs carbone, donc ceux qui sont liés directement aux gros groupes pollueurs, deviendraient des actifs bloqués, voire obsolètes. Alors c'est une vraie tendance, ça. C'est une tendance émergente. Euh, ce que je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça met la finance dans une posture très très différente de celle dans laquelle elle a été. Euh, après 2008, c'est-à-dire c'était le vilain. Et là, un peu par, par provocation, j'ai dit et si elle contribuait à sauver la planète Pourquoi Parce qu'il euh, y a des gens qui se sont aperçus que dans les actifs tels qu'ils sont valorisés des compagnies euh, extractives, il euh, y a plus de réserves que ce qu'on peut brûler si on veut limiter la température à 2 degrés. Donc, la hausse de la température à 2 degrés. Je crois que c'est un rapport de 1 à 5, ce que vous dites. Euh, oui, voilà. euh, donc, donc il, il, il il est clair que si, globalement, ça c'est par rapport à l'ensemble des réserves, et puis ensuite il y a le, le, les, les réserves des compagnies cotées. Il y a des tas de compagnies qui ne sont pas cotées, donc on ne peut pas mesurer. Celles qui sont cotées que, comme, je sais pas, Total ou, ou Exxon, puis il y a celles qui ne sont pas cotées comme Aramco. Et donc si on prend le total, effectivement, on a une disproportion de 1 à 5. Si on prend simplement les compagnies cotées, on est au-delà, on est 60% au-dessus de ce qu'on peut brûler au total sur la planète au cours des prochaines décennies. Et donc, euh, il y a un mouvement militant qui s'est créé sur l'idée, eh bien, si vous êtes cohérent, vous investisseurs, si vous dites comme euh, vous nous le dites qu'il faut préserver le climat, vendez ces actifs, parce que si vous achetez, si vous continuez à conserver ces actifs, ça veut dire que vous considérez qu'ils ont une valeur, et donc on va les brûler, et donc que vous êtes incohérents. Et donc, ils ont réuni euh, un certain nombre d'investisseurs, de fonds de pension euh, aux États-Unis, euh, de fonds d'université, de fonds de syndicats, etc. Et ils ont euh, jusqu'à présent euh, réuni des engagements à hauteur de 2,5-2,500 milliards de dollars. C'est quand même une somme importante. Bon, c'est un petit pourcentage. Ah, c'est hein, un bon. petit, c'est 3-4% du, du total des actifs concernés. Mais enfin, c'est... Euh, 2,600 milliards de, de dollars, milliards de dollars. 2,600 milliards de dollars, c'est une somme euh, qui impressionne. Qui serait vendue en fait, hein, qui, non, ce, ce, ce sont ceux qui disent on n'achète plus, on s'engage dans notre stratégie d'investissement à ne plus acheter euh, des actifs de ces compagnies. Et puis alors Marc le gouverneur de la Banque d'Angleterre, s'est saisi de la question en disant mais nous d'un point de vue non pas, on n'a pas de responsabilité en matière d'environnement, de climat. C'est intéressant alors, que ce soit on, le gouverneur on, de la Banque d'Angleterre parce oui, que il dit on a une responsabilité de stabilité financière. Et donc s'il y a des actifs quelque part... Qui ne valent rien, en fait, qui sont valorisés, mais qui en fait ne valent rien, parce que si nous menons les politiques auxquelles les chefs d'État se sont engagés, eh bien, ces, ces actifs ne vaudront rien. Ça pose un problème de stabilité financière d'avoir des actifs qui sont aujourd'hui valorisés et qui demain seront des actifs obsolètes. Bon, est-ce qu'ils prêchent dans le désert ou pas, McCarney mmh. euh, Ils ne prêchent pas il... complètement dans le désert. Euh, alors, il y a aussi un mouvement dans un certain nombre de pays émergents consistant à dire, eh bien, euh, il faut, euh, il faut se servir du système financier pour accélérer euh, la transition climatique les brésiliens par exemple. Euh, il faut orienter le crédit euh, dans des pays dans lesquels on n'a pas cette séparation entre banque centrale politique monétaire et puis politique de crédit. Ils disent, euh, servons nous de la, banque, de la banque centrale pour orienter le crédit. Vers des investissements verts. Et puis vous dites aussi il faut multiplier par quatre hein, les investissements dans l'efficacité énergétique et les technologies propres dans les dix prochaines années. Alors, la France vient d'arrêter les subventions au charbon. Est-ce suffisant parce que multiplier non, par 4... Non, quatre... non, C'est très bien. La première chose, et ça c'était loin d'être le cas encore dans le monde, c'est d'arrêter les subventions aux énergies les plus polluantes. Ensuite, il faut euh, fixer un prix. Il faut prendre toutes sortes d'actions, mais il faut aussi fixer un prix pour le, pour le carbone. Et ça, euh, aujourd'hui, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à fixer un prix euh, collectif global pour le carbone. Donc, on a cette mécanique d'engagement volontaire euh, qui est autour desquelles est construite la. Mais COP21. tant que ce ne sera pas contraignant, Mais a priori, ça risque d'être. La première limité. chose, c'est déjà que tout le monde accepte d'entrer. Je pense que le, le, le grand succès qui se dessine pour la COP 21, c'est qu'on a, on, on est sorti de cette coupure en deux avec des pays avancés qui s'engagent et des pays en développement qui disent nous, on s'engage pas. Qui était le mécanisme de Kyoto et qui ne voulait plus rien dire à partir du moment où la Chine représentait une bien plus grande partie des émissions. Bah, tout le monde est autour de la table. Donc maintenant, tout le monde est autour de la table. Alors l'étape suivante, c'est quand même d'avoir derrière des instruments qui font qu'on donne le signal à tous les acteurs économiques qu'il faut agir dans cette direction. Et le meilleur signal, c'est effectivement le prix, donc c'est le, 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 la taxe carbone. Si on n'arrive pas à la taxe carbone, la question, c'est est-ce qu'on peut avoir des substituts, est-ce qu'on peut donner une valeur sociale au carbone qui est prise en compte dans des choix d'investissement, quitte à ce que ça veut dire un engagement de la part des pouvoirs publics pour demain. Bon, merci beaucoup, Jean Pisani-Ferry, commissaire général de France Stratégie. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.